Nouvelle couveuse en route. Alors vous savez sans doute ce que ça implique, c'est qu'en termes de nombre de poussins, ça n'a pas été mirobolant. Donc du coup, malgré la boîterie de chéri et certainement un taux de fécondité pas terrible, je refais partir une couveuse. Donc là on est dimanche matin, c'est depuis vendredi soir. Alors d'abord je viens ici pour arroser les semis ici. Parce que là on a repassé nos nuits en bas. Du coup on va montrer les travaux de la chambre finie. Je vais déjà arroser ça. Donc ça suit son cours. Ça pousse, pas de problème particulier à signaler. Bon, forcément, ça file un petit peu, hein, parce que mon spectre lumineux n'est pas tout à fait adapté. C'est pour ça, hein, des soi-disant lumières horticoles pour une trentaine d'euros. Méfiez-vous, mais bon, les tomates, l'avantage. C'est que comme ça fait des poils tout le long de la tige, il suffit de les enterrer un peu plus profond, ça va refaire des racines. Sauf, alors vraiment, hein, ça se distingue bien. Ces pieds-là, comme je disais, et ceux-là ici derrière, comme c'est des variétés naines, j'avais déjà remarqué l'an dernier que ça ne filait pas. Ça faisait vraiment des tiges épaisses, courtes. J'ai les physalis ici qui me font des fleurs. Hein. Alors lui, il y avait une fleur, ce pied de poivron mandarine. Qui est tombé. Bon, j'ai voulu trifouiller un peu trop et puis bon, ben, j'ai fait tomber la fleur. Enfin, la fleur. Je crois qu'il y avait un petit fruit en formation. Et là, il y en a d'autres hein, qui arrivent. Si vous voulez avoir des pollinisations en intérieur sur des variétés comme là, c'est que des variétés auto-fertiles, il suffit de secouer un petit peu les fleurs. C'est tout à fait possible d'avoir des fruits. Mais bon, là, c'est pas le but. Hein. Ça va être mis dehors, bien sûr. Et là, les physalis là, qui ont filé, hein, je rappelle, c'est des pieds qui ont 1 an, ça fait des belles repousses bien vertes en bas. Donc là, c'était pour les images, je leur remets un spectre lumineux. Enfin, je fais allumer toutes les lumières, quoi, toutes les couleurs. Je peux pas faire grand-chose d'autre. Alors, donc faut savoir que tout a été repeint à peu près à l'identique. Là, c'est avec des pigments, mon père a réussi à retrouver un peu les pigments, mais... Même le plafond, tout a été repeint. Le plafond, un peu plus gris foncé bleuté, parce qu'il a fallu mettre une couche de peinture anti-moisissure. Hein, bon, le plancher, j'en ai déjà parlé. Au-dessus du carrelage, il y a une couche isolante avant de mettre le parquet. Puis l'encadrement de fenêtre, l'entourage gris. Et l'énorme radiateur en fonte qui faisait toute la largeur jusqu'au bout du mur, il a été changé par un radiateur toujours qui fonctionne au gaz, mais plus moderne, beaucoup plus léger, ça c'est clair. Parce qu'il n'était pas dans un très bon état. Il était extrêmement rouillé. D'ailleurs, tout ce qui demandait une réisolation, ça a été refait. Ici, j'avais dit avant, il y avait une armoire sur toute la partie du fond. Donc, mon père a découpé une colonne qu'il a mis ici, l'a séparée pour que l'armoire-là rentre pile dans notre alcôve. Et là, il y a eu les 3/4 de l'armoire qui sont passés. Et puis, le meuble l'a mis sur roulette. Ici, c'est mis un peu en hauteur pour pouvoir nettoyer en dessous. Et on ne se retrouve plus avec cet espace inutilisable entre l'armoire et la commode. On ne pouvait même pas venir nettoyer comme il fallait, etc. Donc voilà, la chambre est finie. Donc après, il faudra réinstaller toutes les affaires de bureau, etc., bien sûr. Et j'ai retrouvé Souki. Le pauvre, il est resté 1 an et demi tout seul parce que la chambre, on l'a évacuée en novembre 2021. Les travaux, c'était prévu l'hiver précédent, puis ça n'a pas pu être fait à ce moment-là, il y avait eu d'autres choses à faire. Et donc voilà, c'est enfin fini la chambre, c'est déjà bien. Mon père a mis des barrettes, alors ça c'est sur toutes les fenêtres de la maison, des barrettes d'aération. Comme ça. Et là, il y a vraiment eu ça sur toutes les fenêtres. Parce qu'on n'a pas de VMC ici. Bon, puis comme ici, il y a la salle de bain qui est pas loin. Donc d'autant plus... Faut que ça soit aéré. Alors, juste avant de parler là de ce qui s'est passé avec les poussins et d'aller voir Susu, qui est avec ses poussins, là c'est les semis qui ont été faits lundi. Donc Févrole maïs, ça a été fait. Enfin, bon, Févrole, on est très en retard. Hein, alors il a fallu que ça soit déjà fait il y a 1 mois et demi, 2 mois maximum. Mais l'année dernière, ça a été en l'ayant fait encore plus tard. Alors carottes, forcément les oxalats, j'en ai remis. Hein, il reste toujours la zone où je laisse monter en graines. Donc ça a été ressemé et j'ai retrouvé un sachet comme ça.
Et puis les carottes, ça c'est des carottes fines qui sont censées se développer un peu mieux. Donc ça c'est de la variété de conservation qui peut être longue à pousser. C'est maximum jusqu'au mois de juin qu'on peut les mettre. Sinon après elles seront pas assez développées pour l'hiver. Chou rave, j'ai semé en pleine terre. Ouais, faut voir avec l'orage qu'on a eu vendredi ce que ça va donner. Parce qu'on a eu des pluies diluviennes. Vraiment des trompes d'eau et de la grêle. Alors j'espère que les semis n'ont pas trop bougé dans la terre. Pareil pour les carottes, pour tout ce qui est petites graines quoi. Poireaux, donc ça c'est monstrueux de 40 ans. Et jusqu'alors, je disais des bêtises. Je disais que je mettais des poireaux gros de Malabre. C'est des poireaux Malabar. C'est Malabar, c'est pas Malabre. Ah, puis j'étais tellement convaincue là-dessus. Je voulais même pas croire. C'est mon père qui. Lui, il met ça aussi. Il me dit Malabar. Je dis, ah, c'est pas possible. J'ai dû farfouiller mes sachets de graines. Puis je dis, bah ouais, c'est Malabar, c'est pas Malabre. N'importe quoi. Des fois, on est persuadé de quelque chose. Et puis. Donc, bon, radis, hein, rien d'exceptionnel. J'ai mis les pois nains kermesse parce que j'ai aussi petits pois de Provence ou petits pois provençaux. Mais j'ai mis ceux-là. C'est les mêmes que dans le kaolin. Hein. Pois chiches, comme je disais. Alors pois chiches, attention, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des papillons qui viennent pondre dedans et qu'il y ait des petites larves blanches dans les pois chiches. Parce que normalement, la culture, c'est plutôt sur les régions littorales où ils gèlent pas trop. Et dans ces cas-là, ils font des semis au mois de janvier. Comme ça, les cosses sont déjà formées et épaisses pour pas que le papillon vienne pondre dedans. Sinon, c'est comme la mouche du poireau, c'est comme les choux, tout ça. Il faut mettre des filets, quoi. C'est le seul moyen d'éviter les problèmes, mais bon, c'est un peu compliqué. Alors, haricots nains, reine des pourpres. Donc, c'est des haricots violets à la cuisson deviennent verts. Bon, ça, je l'ai déjà fait l'an dernier. Des haricots beurre. Là, on voit vraiment que les graines là sont toutes petites. C'est signe généralement que les haricots sont quand même moins gros à la récolte, peut-être même un peu plus fins. Et il y a aussi un paquet de haricots verts que j'ai fini, mais je ne l'ai plus. J'ai fini le paquet. Et puis les pois gourmands. Et c'est tout ce que j'ai eu le temps de faire lundi. Vous voyez, de toute façon, j'ai préparé des petits bâtons pour chaque. J'ai revêtu du scotch. Je ne sais pas si vous voyez l'effet brillant là. J'ai remis du scotch dessus pour pouvoir écrire au marqueur. Et sur le scotch, ça s'efface mieux le marqueur. Ou au pire, j'enlève complètement le scotch. J'ai fait une petite encoche, comme ça je peux facilement l'enlever. Donc ça va. Le clair, c'est 1,50€. Il y en a 25. Donc soit vous le plantez en pleine terre, ou soit vous l'accrochez grâce au trou qu'il y a là. Je trouve ça bien pratique parce qu'ils fournissent avec un crayon de bois. Mais si vous avez envie de perdre vos écritures et de plus savoir ce que vous avez mis, hein, bon. Parce que moi, j'ai mes petites étiquettes bleues. Mais. C'est vraiment tout petit. Quand on les enfonce dans la terre, bah, on les voit plus. C'est bien pour faire des repères dans ses godets, mais sinon. Donc, ça, c'est ce que je suis censée mettre. Alors, ça serait le parterre aromatique. On a essayé de se débarrasser de la menthe qui repousse dans tous les sens. Ça fait une semaine. Là, j'attends une semaine supplémentaire pour pouvoir choper les repousses éventuelles. Bon, il y en aura toujours, je pense. Je pense que ça s'est ressemé par les graines. Hein. Ça doit pas être qu'une histoire de racines qui s'éparpillent. Il y a dû avoir du ressemage aussi. Donc là, j'ai mis la menthe, j'ai sélectionné plein de pousses de menthe pour mettre dans un pot enterré, pour vraiment cantonner la menthe à cet endroit-là. Puis dès qu'elle va faire des fleurs, il va falloir tailler avant que ça fasse des graines. Bon, bref, on verra bien déjà si ça s'y plaît comme ça. Et là, ce serait dans le parterre aromatique. Ciboule rouge, j'ai jamais fait. Ciboulette de Chine, j'ai jamais fait non plus. Estragon de Russie. Persil tubéreux, donc ça serait plutôt pour utiliser en aromatique, utiliser les touffes de persil. Parce que là, au potager, en fait, j'ai encore tout ça à mettre. Et je ne sais pas comment je vais faire. Donc, tout ce que je peux mettre dans le parterre aromatique, même si c'est un petit peu, ce sera déjà ça. Des places de gagner, quoi. Donc, endive, là, va falloir que je m'y mette. Ça, c'est cette laitue. Qu'au début, les toutes petites pousses, les premières pousses, comme c'était un peu mélangé, j'ai cru que c'était de la roquette. Mais je crois que c'est ça. Parce que la feuille un peu brillante comme ça, je pense que c'est cette laitue-là que j'avais ressemée à l'automne et je ne me rappelais plus et qui pousse seulement maintenant. Alors, la dorée de printemps, chou de Chine, ça j'ai déjà fait l'an dernier. Alors, ce n'était pas les graines bokeh, mais j'avais déjà fait, j'aimais bien. Sauf que ça, attention, ça ne résiste pas au gel. Hein. On pourrait se dire, ah ben, c'est un truc de Chine, machin. Ouais, mais non, ça ne résiste pas au gel du tout. Alors, ça, c'est pour les cultures plus d'hiver. Hein. C'est peut-être pas en priorité à faire maintenant. Ouais, maximum, c'est au mois d'août, hein, sinon pour le mettre. Donc ça attendra peut-être. Chou noir de Toscane, il faudrait que j'en remette à quelques endroits. C'est pas encore tout à fait la priorité parce que j'en ai dans le kéol. Même si dans le kéol, il va monter en graines. Alors épinard fraise, que j'ai pas été fichu de réussir l'an dernier. Ça, les bêtes, j'ai jamais fait, jamais goûté. Ça tombe, ça me plaira pas, mais j'aimerais bien tenter. Et les laitues asperges, que j'ai pas réussi non plus l'an dernier. Donc, bah, entre la sécheresse et le fait déjà de m'y être pris un peu tard, les deux cumulés. Donc j'ai encore tout ça à faire. Donc ça, parterre aromatique, ça attendra une semaine de plus.
pour pouvoir librement arracher la menthe, hein, et après seulement faire les semis, enfin les repousses de menthe éventuelles, hein, du moins. Alors pour les poussins, Susu, elle avait 10 œufs. Au moment de la mise à plat, je lui ai mis en dessous. Elle a eu 7 poussins. Donc là, elle a fait éclore comme une grande. Et il aurait pu en avoir 8. Il y a 2 œufs qui se sont retrouvés sur le carreau. Mardi matin, ils étaient un peu sur le côté et ils étaient froids. Et après, quand j'ai décortiqué, cassé tous les œufs mercredi soir pour voir, parce qu'on était à J21 lundi soir, j'ai vu que le petit, un de ses œufs, un des 3 qui n'avait pas éclos, il était en phase d'éclosion et puis ça s'est arrêté. Je pense que c'est le petit, un des 2 œufs, qui s'était trop refroidi. Donc tant pis, bon, déjà 7 sur 10. Donc vous voyez que ça aurait pu être 8 même, c'était pas mal sous la poule. Bon, alors qu'ici, à partir du moment de la mise à plat, ça s'est pas vraiment passé correctement. Il y a eu beaucoup, beaucoup de petits morts dans l'œuf. Et certains en phase d'éclosion, 2 en essayant d'éclore. Bon, alors Susu, elle avait déjà 3 petits mardi matin. Et puis, moi, dans la journée de mardi, j'ai eu 4 premiers nez dans la couveuse. Donc, vraiment, le premier nez en couveuse, c'était un cou-nu noir. J'avais fait une petite vidéo, un petit short là-dessus. Et puis, le soir, Susu, elle était à 5 petits. Les 4 premiers nés de la couveuse, mardi soir, je mets sous Susu. Donc, il faisait à moitié nuit, je lui mets les poussins. Donc là j'avais pas trop d'inquiétude pour l'acceptation, ça s'est très bien passé. Mercredi matin, elle était à 7. Donc, c'est là que j'ai rapatrié ces 3 œufs non éclos dans la couveuse. Et le soir, après, j'ai décortiqué. Donc là, ils étaient déjà morts, hein. Après, j'ai bien compris. Susu, là, c'est à ce moment-là, elle était à 11. Hein. Les 7 qu'elle avait, plus les 4 que j'avais rajoutés, je l'ai mis dans la cabane, comme l'an dernier, la cabane dans l'enclos des poulets. J'ai tout installé pour elle, etc. Donc elle n'a pas voulu, elle va pas dormir dans le seau percé que je lui ai mis, elle dort à côté dans le coin à droite, bon, c'est tout. Et après, j'ai eu des éclosions, moi en couveuse, qui ont continué la nuit de mardi à mercredi et mercredi. Il y avait un petit, donc ça c'était au moment où j'ai bougé Susu mercredi matin, il y avait 2 petits dans la couveuse, un poussin qui était né vraiment il n'y a pas longtemps, et un autre qui était né dans la nuit, mais qui avait un problème au niveau des pattes. Alors ça lui a pris 2 jours, parce que j'avais essayé de rééduquer ses pattes et tout, mais ça donnait rien. Il a réussi, il avait une patte qui était très raide et une qui était toute molle sans tonus. Et il a réussi à se rééduquer tout seul. Alors au début, il commence enfin à marcher, moi j'y croyais plus trop. Il réussissait à marcher, mais il était souvent couché sur ses talons, puis petit à petit, il a réussi. Donc bon, ouf. Et au moment de casser les œufs mercredi soir, oui, donc mercredi soir, je me suis retrouvée avec 4 poussins dans la couveuse. Bon, je dis, je vais casser les œufs. Celui avec la poche d'air qui s'est retrouvé, donc l'œuf quand il était à plat, la poche d'air, elle était au-dessus. Ce petit-là, je surveillais si. J'avais peur qu'il perce côté arrondi de l'œuf, comme c'est censé être normal, mais à côté de la poche d'air, bien sûr. Donc je surveillais, sauf qu'en fait, il a essayé d'éclore par le dessous. Enfin, il a essayé, il n'a pas trop eu le choix, ça dépendait comment il était positionné dans l'œuf, donc visiblement très mal, et bien il est mort comme ça. Mais je ne pouvais pas le voir. C'est au moment de regarder tous les œufs d'inspecter mercredi, et j'ai vu ça. Donc je dis, bon, ben, je vais casser tous les œufs, il y a peut-être d'autres petits qui sont mal pris. Un qui avait percé la coquille, et puis ça ne bougeait plus, il était mort. Et il y en avait plusieurs qui avaient percé la poche d'air, ils étaient en phase d'éclosion, ça s'est arrêté. D'autres où on n'était pas encore arrivé au stade de percement de la poche d'air, ça s'est arrêté à peu près au moment de la mise à plat, bon, je sais pas. Et il y a d'un seul coup, un des œufs que je casse, je commence à taper dessus, pour casser donc côté poche d'air, côté arrondi, j'entends des cris. Donc j'y vais doucement, mais je casse quand même pour voir ce qui se passe. La poche d'air était percée, sauf que je ne vois pas de tête. C'était les pattes. Le petit était très mal positionné en sa coquille, un peu à l'envers. Et il a percé la poche d'air, mais avec ses pattes. Et sa tête était très loin, j'ai eu du mal à y accéder. Et en fait, je l'ai fait naître comme ça. C'était un des petits sur lesquels j'ai mis un point d'interrogation, parce que quand j'ai mis les œufs à plat, il y avait un manque de développement, mais l'embryon était vivant. Et donc, j'avais pas trop d'espoir pour lui. Il avait encore une poche de jaune d'œuf à son ventre qui n'était pas résorbée. Mais si je ne sortais pas de l'œuf, il n'y avait aucune chance qu'il s'en sorte tout seul, parce qu'il était très mal positionné dans sa coquille. Non, le poussin pousse avec ses pattes pour sortir. Mais là, il avait ses pattes côté poche d'air et non pas de l'autre sens. Alors, il ne pouvait pas y arriver tout seul, la tête coincée sous une aile. Enfin, bon, bref, une catastrophe. Donc, il avait les yeux fermés, sa poche de jaune d'œuf au niveau du ventre. Moi, j'ai tourné quelques images. Après, ça allait de mieux en mieux. Il commençait à se dégourdir un petit peu. Bonjour. Bonjour.
Au bout de 2 jours, le petit est mort. Donc là, j'ai retourné quelques images. Donc ça, c'était les images vendredi soir. Quand je suis revenue, il était mort dans l'après-midi, le petit que j'ai fait naître. Et puis les copains, par contre, ils étaient tous en pleine forme. Et c'est à ce moment-là, vendredi soir, où j'ai beaucoup hésité. Fufu était déjà à 11 poussins. Et je me suis dit, franchement, faire une nurserie et tout juste pour 4 poussins à part. Mais c'était un peu risqué parce que, bon, là, on n'est pas à l'abri, hein. La nuit dernière, ça s'est bien passé. Là, j'ai pas encore été voir Fufu. Ça s'est bien passé la première nuit. Bon, donc j'ai réintroduit ces poussins-là. J'ai attendu qu'ils fassent à moitié nuit. Je les ai mis sous Fufu. J'avais peur de une que Fufu les rejette. Que de deux, Fufu n'arrive pas à faire une place pour tout le monde parce que 15 poussins en tout, du coup. Et puis de trois, comme ils étaient restés dans la couveuse, alors certains étaient nés dans la nuit de les deux sur quatre, la nuit de mardi à mercredi, et les autres dans la journée de mercredi, ça faisait quand même un bon 2 jours qu'ils étaient dans la couveuse. Forcément, j'avais mis à manger et à boire, attention, parce que je voulais qu'ils tiennent compagnie au petit que j'ai fait naître pour que ça le stimule un petit peu, et ça allait de mieux en mieux, hein. J'avais de l'espoir pour lui, bon, puis ça s'est dégradé, bon, c'est tout. Et j'avais peur qu'il n'ait pas le réflexe du coup d'aller bien se mettre sous la poule, etc. Parce que là, ils étaient en couveuse, ils étaient un peu interactifs avec moi. Bon, un peu peureux aussi, ça dépendait des manipulations que je faisais. Il y en avait vraiment un qui était. Je pouvais caresser, qui bougeait pas. Et ça va. On a surveillé un petit peu, le temps que je change mangeoire abreuvoir. Et Susu les a bien acceptés. Ils ont réussi à bien se nicher sous Susu, ils ont compris et tout. Donc Susu a 15 poussins. Là, on n'est pas à l'abri à l'ouverture, hein. Je prépare psychologiquement, on ne sait pas, hein. Il peut y avoir des écrasements, des petits qui se retrouvent un peu sur le carreau, parce qu'après, en grandissant, elle aura de moins en moins de place sous ses plumes pour les petits, mais en tout cas, 15 poussins, la nuit précédente et puis hier, elle a réussi à bien gérer la situation. Là, on va quand même confirmer ou pas si ça s'est bien passé, là, la nuit qui vient de se passer, j'espère. Mais en tout cas, elle a bien géré les 15, elle n'a pas rejeté les petits. Je ne conseille pas un hein, 15 poussins pour une poule semi-naine, c'est peut-être un peu beaucoup, hein. Mais ouais, vraiment, Susu, elle se débrouille. Du coup, nouvelle couveuse en route. Là, j'ai fait un rajout d'humidité. On est à 44%. J'en avais pas parlé. J'ai mis un petit verre à liqueur ici, mais tout petit. Parce qu'en fait, j'avais eu un problème pour placer mon verre la fois dernière. Parce que le fond est grippant. Et là, je l'ai encore laissé. J'ai pas tout démonté. Alors, bien sûr, j'ai tout nettoyé, virucide, tout ce que vous voulez. Avec cette plaque de fond, avec le fond agrippant, je ne peux pas mettre la plaque de fond ici, sur laquelle reposait mon verre à liqueur habituel. Donc j'en ai trouvé un plus petit et je le fais tenir sur la bordure. Parce que j'avais fait une incubation sans ajout d'humidité. Le gars qui m'avait vendu la couveuse d'occasion, il disait que c'était comme ça qu'il faisait. Bon. Bien, je dis, je vais quand même essayer de remodifier les paramètres. J'ai mis un petit verre à liqueur. Donc là, la poche d'air, elle me paraissait pas. Enfin, elle est grosse en fin d'incubation, elle était grosse, mais je veux dire, ça me paraissait pas non plus abusif, mais. On va essayer de rechanger les méthodes, voir si on arrive mieux autrement. Et là, on est dans la phase de repos des œufs, avant le retournement, 2 jours à peu près. Et au lieu de les laisser tout droit, comme ça, je les ai déjà penchés. On ne s'en rend peut-être pas compte au maximum dans ce sens-là, enfin, ou j'aurais pu faire dans l'autre sens, parce que je me dis, sous la poule, naturellement, l'œuf est à plat. Donc j'ai la phase de repos, comme là au début, je vais essayer de le mettre à plat. Désinfection, forcément, nettoyage, récurage de la couveuse, produits virucides partout, et j'ai attendu. En faisant tourner la couveuse, en entrebâillant le couvercle, que tout se soit évaporé, hein. L'odeur des produits, etc. Bien sûr. Et puis voilà, nous revoilà partis sur une couveuse. Donc Chéri marche mieux. Forcément, il boite toujours. Mais en tout cas, hier matin, ça allait bien. Il recoche un peu plus les poules. Mais voilà, plus j'attends, plus j'attends, plus c'est compliqué. Parce que là, j'aurais voulu faire qu'une seule couveuse et être tranquille pour la saison. Mais 15 petits, c'est pas encore sûr qu'ils survivent tous. Parce que déjà là, faut qu'il survive. Ensuite, puis il y a un petit qu'il faut surveiller parce qu'il a toujours le cul mouillé. Je ne sais pas pourquoi. Et il a une forme de corps un peu plus arrondie qu'allongée. Donc, il a l'air très vif, il mange du bois, mais il faudra le surveiller. Je veux dire, on n'est pas à l'abri. Là, ils sont encore tout petits. 15, on peut avoir des pertes. Il peut après, quand ils vont se balader, pour l'instant, ils sont enfermés dans la cabane. Tant que Susu tolère, dès qu'elle va réclamer à sortir, elle va sortir. Mais il peut y avoir des prédateurs. Donc, on n'est jamais à l'abri. Bon. En 15, même s'ils survivent tous, c'est pas assez. Le problème, c'est que Gamvert. Généralement vers le mois de mai, ils arrêtent des poussins et puis ils nous agrandissent le rayon bassin, poisson, poisson de bassin, etc. Plantes
Et puis, ben, il n'y a plus de poussins. L'année dernière, c'était carrément au mois d'avril à cause de la grippe aviaire, donc je suis même pas sûre d'avoir des poussins pour rattraper le tir. C'est quand même dommage qu'on a ses propres poules et son coq. J'ai quand même pas de chance, j'ai regardé dans les archives, chéri, ça fait depuis fin février qu'il boite. Son problème de pâte, fallait que ça arrive au moment où j'ai le plus besoin des œufs fécondés pour la repro du printemps. C'est quand même pas de chance, hein, faut dire. Donc là, il boite moins, ça va mieux, mais je peux encore attendre des semaines en plus. Donc là, on verra, hein, je vais mirer les œufs, on sera à J+8, plus une nuit, dimanche la semaine prochaine, dimanche matin, et je vais déjà mirer. Pour voir la fécondité, enlever tout ce qui n'a pas été fécondé, ça risque peut-être d'être une cata. Et là, cette fois-ci, il y a des tout petits œufs que j'ai mis. Oui, ceux-là, qui sont petits. Je ne sais pas quelle poule me fait ça. Canette, Nimbus, on ne sait pas. Je pense pas que ce soit Nounoute, parce que quand elle était dans l'enclos des poulets, il me semblait pas qu'elle faisait des œufs aussi petits. Hein. Même quand c'était une poulette. Voilà, je pense pas que ce soit Nunu qui répond, ça m'étonnerait. Mais j'ai tout testé. Mais de toute façon, je pense pas que Chéri y cochait encore les poules naines là, avec son problème de pâte, je sais pas trop. Tout est possible, mais là je suis prête à tout. Je me dis, je vais mettre tous les œufs que j'ai. Parce que comme j'avais déjà dit dans cette couveuse-là, si je veux mettre deux œufs un peu trop gros côte à côte, ça passe pas. Et puis il y a des endroits, par exemple ici pas de problème, parce que c'est un peu reculé le boulon. Et ici c'est un emplacement où le petit boulon en plastique il gêne. Donc il y a eu bien 5 emplacements où j'arrivais pas à intercaler un œuf, parce que j'en ai aussi des moyennement gros mais j'arrivais pas à les faire passer non plus. Donc du coup les tout petits œufs, ici, là je pense que j'en ai à peu près 5 que j'ai intercalé. J'ai vraiment laissé une chance à tout le monde, bien sûr les œufs sales, trop gros, difformes, une coquille bizarre j'ai pas mis. Et là il y en a vraiment 51. 51 places sur 51, tout est rempli. Et la dernière fois, donc en tout, j'avais 48 œufs. Et on s'est retrouvé finalement là avec 15 poussins. C'est pour ça que c'est pas mirobolant. Je m'attends pas forcément à mieux, mais c'est vrai que ne serait-ce qu'en avoir une dizaine, c'est déjà bien. Après, j'avoue que là, si à Gamme Vert ils font des poussins encore, je sais pas du tout. Hein. Peut-être ça réfléchir à ce que j'en prendrais, des coups nus ou des roues de chair, je sais pas. Faut voir. Bon, il y a du positif quand même, tout germe, sauf cette barquette-là de concombre. Mais j'ai ici et ici, ça germe. Là, vraiment, tout est en train de germer. Là, un petit peu moins avancé, mais ça germe. Donc, au moins, ça de positif, puisque j'avais dû refaire le semis dimanche matin de la semaine dernière. On m'a fait une rude tige. C'est pour ça que je suis obligée de mettre sur le bord de la fenêtre, parce que ce qui est embêtant, c'est que si ce qui germe en premier, ça a besoin de lumière tout de suite. D'ailleurs, je vais retourner la barquette pour que celle-ci bénéficie d'un peu plus de lumière. Tout ce qui germe en premier, ça a besoin de lumière tout de suite. Donc on ne peut pas continuer à garder la barquette plus au chaud dans la maison à partir du moment où il y a des plants qui vont avoir besoin de lumière, de vraie lumière. Comme il pleut tout le temps en ce moment, je dois mettre le volet en quinconce, sinon mes barquettes se retrouveraient trempées. Ah oui, d'ailleurs, ce thermomètre-là terrestre, je m'en suis servi pour voir la température de la terre pour le semis du maïs. On était à 12 degrés le matin, donc lundi. Donc je me suis dit, c'est bon, c'est pour ça que j'ai fait mes semis de maïs. J'allume les cailles qui n'ont plus de lumière chauffante. Enfin, attention les bijoux, j'allume. Pour qu'ils se réveillent, on y revient après. Là, on va voir Susu en priorité. Hein. Alors ça, j'ai oublié d'en parler. J'ai toujours ça à mettre autour du bassin, j'ai toujours pas fait. Enfin bref, regardez. Ça, c'est cranberry. Ça refait des pousses au bout des tiges. Donc la plante a l'air en bonne posture. Je m'inquiétais parce que là, il y a certaines tiges, ils perdaient un peu leurs feuilles et tout. C'est le temps que la plante se réadapte, hein, parce que là, visiblement, ça repousse bien. Donc, cranberry, terre de bruyère, ça a l'air d'aller, quoi. Donc, j'ai été chercher ma barquette pour Susu et ses petits. Donc, vous voyez, hein, j'y reviendrai après. Il y a encore des herbages à recafouiller, re-enlever, mais on a enfin bien travaillé sur tout ce qu'on devait faire. Et il y avait du boulot. Et les pommes de terre, c'est en train de... Tout est en train de sortir, là. Vous voyez le parterre aromatique? Là, l'oseille, je pense que je vais essayer de la virer. Là, la menthe. Tout ça, c'est cantonné dans un pot qui est enterré. À voir si ça s'y plaît, parce que c'est un pot, vous voyez... je savais même pas que j'avais ça, j'ai farfouillé. J'ai plein de pots dans ma cabane à jardin. Les pots d'intérieur... Enfin, je crois que c'est plutôt d'intérieur, avec une sorte de réservoir d'eau au fond, là, ça fait une structure noire au fond avec des trous, machin. Après l'évacuation d'eau,
risque d'être un peu lente. Bon, là, il y a eu une grosse pluie d'orage et tout, ça n'a pas l'air de nuire à la menthe, hein, qui est déjà plus jolie qu'il y a une semaine quand je venais de refaire ça. Hein. J'espère que ça va drainer suffisamment. Mais avec ce système-là, déjà, le plastique est assez dur. Là, je vois pas comment les racines de menthe pourraient s'évacuer par-dessous le pot avec toute cette structure au fond, là, de réservoir d'eau drainant, machin. Et surtout, faut que les bords dépassent un peu. Faut pas l'enterrer plus, parce que sinon, ça passerait par au-dessus. Donc, il y aura que la montée en graines, si ça s'y plaît là, comme ça, que la montée en graines à surveiller. Bon, les pois, ça commence... ça y est, hein. Commence vraiment à se démarquer, il était temps, hein, franchement. Ah oui, alors mon père a fait une taille très sévère. Il n'a jamais taillé autant, je crois qu'il avait envie d'être tranquille. Tout ça de branches broyées qu'il va falloir répartir. Bon, là, il y a toujours des branchages à ramasser. Il va falloir trouver des endroits pour répartir un peu tout ça. Hein. Ça fait beaucoup en quantité. Alors, ça, je dois faire du purin d'ortie avec. L'ortie là-bas est toute jaune. D'ailleurs, j'ai des phénomènes de jaunissement sur plusieurs types de végétaux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref, donc je ne vais pas utiliser l'ortie qui est là-bas. On va la faucher. Et j'utiliserai ça pour faire du purin. Il va falloir que je le mette en route là pour qu'il soit bon. Alors, je ne suis pas en vacances la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Pour faire tout ce qui est jardinage et tout, avoir du purin d'ortie, ça sera bien. Sauf que là, je regarde les annonces météo jusqu'au 21 mai. Ils ne nous annoncent que de la pluie. Apparemment, tout a été perturbé avec les orages vendredi. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de petits morts. Hein. Ça va, Susu? Je t'entends glousser. Mais vous avez plus à boire? Mais dis donc, quel chantier, hein. Il est temps que j'arrive. Hein. Ouais. Oh là là là. Ouais. Quel chantier. C'est embêtant. Hein. Tant qu'on ne peut pas mettre un abreuvoir sur pied... Eh, dis donc, tout le monde est en vie. 15. Hein. 15 petits. Je pense qu'elle va avoir envie de sortir, mais... Je vais mettre à manger, mon bébé. Oh, tu vas être contente. Vous allez voir, je vais mettre à manger. Elle va tout de suite glousser pour appeler tout le monde. Donc, le petit cou nu. Comme l'an dernier, noir. Le cul est en dessous du poitrail, un peu jaune. Regarde ma susu. Oh oui, hein. Je vais le mettre peut-être un peu sur le côté parce que j'ai peur qu'elle me le renverse. Enfin, qu'elle me le renverse ou qu'elle mette des copeaux dedans. Donc elle dort toujours dans ce coin-là. Elle ne veut pas dormir dans le seau. Bon. Et ouais, 15. On va quand même compter, hein. Donc là, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et le petit qui a le cul mouillé. Ah ben, je vois pas. Alors, ou alors, vraiment, c'était un... Si, si. C'est lui qui est un peu bizarre. Lui, franchement, pour moi, il y a un souci. Il est bizarre. Bon, là, le cul est un peu moins mouillé. Là, il y a une crotte collée, je vais l'enlever. Tiens, je te le remets. Il avait du caca collé. Lui, je me méfie. Hein. Il est bizarre. Vous voyez, ça fait une boule. Son corps, ça fait une boule. Bah. Donc, de toute façon, la première semaine, c'est toujours un peu critique, mais pour moi, il a un problème. Même la façon dont il marche, vous voyez. Ouais, il est bizarre. Donc, on va peut-être redescendre à 14. Ah, mais non, mais Susu, t'as gratté. Oh. Oula. Oh, ça, c'est le petit qui était proche de moi en couveuse, celui-là. Ne me fasse pas un rejet, hein. Je vais mettre, voilà. Ouais. Alors là, par contre, ça m'inquiète un peu. Là, il y aura un peu moins de lumière. Peut-être qu'elle va un peu moins voir. Bah alors, mon bébé. Ah, c'est celui qui se laissait caresser en couveuse. Bah déjà, ça va dépendre si je trouve des poussins à gamme vert. De toute façon, si je trouve des poussins à gamme vert, je vais sauter sur l'occasion. Je vais en prendre. Et si ça va pas avec lui, je le rapatrie. Ah, regardez le petit qui a des problèmes. Il va se nicher tout de suite. Lui, je pense qu'il va pas survivre. Donc le petit qui se fait rejeter là. Si j'ai des poussins et tout, je le mettrai avec les autres. Oh, il y en a un autre qui a des crottes au cul. Il va falloir que je surveille un peu tout ça.
Ouais, voyez là. Là, faut se méfier. Hein. Et ça, je pense que c'était une poulette par rapport à la finesse des pattes. En couveuse, il s'est caressé. J'arriverai pas à faire un focus à cause du grillage. Et vous voyez, Susu a l'air de le rejeter, lui. Hein. Enfin, elle, précisément. Vous voyez, là, il fait un peu plus sombre. Je pense qu'il va pouvoir se nicher tranquillement, sans qu'elle le voie. Mais... un peu déçu de ton attitude, Susu, hein. Ah ouais, hein, rien n'est jamais gagné hein, quand on fait des introductions comme ça. Hein. Donc c'est vraiment à surveiller. Pauvre chiotte puce. Ouais, donc le petit, je vous dis qu'il est bizarre, lui j'y crois pas. Là ce matin, il avait l'air d'être un peu moins vif. Ça commence à se voir de plus en plus qu'il y a un souci. Ça arrive. Hein. Bon, c'est vrai que c'est dommage qu'on en a déjà pas beaucoup du départ. Le coup nu l'an dernier, c'était... donc lui, c'était le premier né de la couveuse. Hein. Il est là devant. C'était une femelle l'an dernier. Et ben là, on verra bien du coup. Oh, mon petit bébé, c'est celui qui se fait rejeter. Oh, il a des grosses pattes quand même. C'est peut-être un mâle. Ouais, alors ça, c'est... c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Ben écoutez, la pluie s'intensifie, donc je vais parler du jardin rapidement. Parce qu'après, je pourrais peut-être plus y retourner. Donc là, j'ai mis, vous voyez, mes bâtons avec mes étiquettes. Donc ici, févrole, j'ai pris, vous savez, je ne sais pas comment ça s'appelle comme instrument, un plantoir à bulbe, une sorte de carotte en métal. J'ai fait des trous, et dans chaque trou, intervalle de ça à peu près, j'ai mis une graine de févrole, donc à 5-6 cm. Donc du coup, il va falloir du temps pour que ça émerge. Hein. Et maïs, on a fait 4 sillons. Tac, tac, tac. Tac, donc de mémoire, hein, parce que là ça se voit plus trop. Là, il disait sur le paquet, donc maïs fourragé, 3-4 cm de profondeur. Ça fait des gros sillons. J'ai mis les graines à cet intervalle. Et après, si tout pousse bien, il va falloir éclaircir un pied sur deux. Et on a recouvert, refermé les sillons, arrosé et tout. Bon, là, forcément, il n'y a plus besoin d'arroser vu qu'il pleut. Alors, les pommes de terre. Ici, il n'y a pas encore trop de feuilles qui sortent. Sauf ici. Donc ça, c'est les pommes de terre à chair ferme que ma cliente m'a donné. À moins que ces deux pousses-là qui sont venues de ce côté-là, c'est peut-être issu de ce pied de pommes de terre-là. Je ne sais pas, mais normalement, j'avais une 4 routes. Hein. Là, ici, c'est bien, bien sorti. C'est pour ça que le paillage-là, ça va être compliqué de le mettre ici, à cause des pommes de terre qui sortent bien. Peut-être plus sur cette zone. Et là-bas, donc, ça commence un petit peu à sortir, c'est le début, donc ici, on va peut-être pouvoir ajouter un peu de paillage. Mais ici, ça va être compliqué, sinon on va étouffer les feuilles, et de toute façon, il y a plus d'épaisseur ici. Donc, c'est bien sorti, hein. En début de semaine, ça a commencé. Alors, regardez ce problème de décoloration du bord de feuilles. J'ai plusieurs variétés concernées. Vous voyez cet arbre à papillons-là? À part ici, quelques phénomènes. Ça va encore. Mais le rosier, pareil. Ça ici, un petit peu aussi. D'ailleurs, c'est de l'arôme. Ce que j'avais viré d'ici. Bah, le lierre, non, je ne sais pas vraiment. Si c'est le même phénomène, on ne peut pas dire. Parce que comme il est un peu, il a plusieurs nuances. Mais regardez là. Pareil sur cet arbre au papillon là. La roquette, les jeunes pousses et les pousses plus vieilles. Ce phénomène de jaunissement des feuilles. Puis regardez, là je peux vous confirmer que c'est monnaie du pape. Ça chante. Hein. Bah, y en a une qui doit être à la cuve là-bas. Ah, t'es sous ta feuille. Ah ben bah, là vous voyez bien en direct. Un beau mâle. Monnaie du pape, là. Pareil. Et ça se voyait pas la semaine dernière. Jaunissement du bord de feuille. Alors là. Vous voyez que la grêle... il s'est affaissé, mon aquilé, là. Alors que là, ça continue à former des beaux buissons. Et celui du milieu, bouf. Bon. Donc ouais, je sais pas ce que c'est ce truc des feuilles qui jaunissent. Bon, bref.
Donc voilà mes petites étiquettes. Donc ici, c'est poids gourmand. Là-bas, c'est les pois nain kermesse. Haricot beurre, haricot vert où j'ai fini le sachet. Haricot pourpre, pois chiche. Bon, on va se mettre du bon côté de l'étiquette. Une route de pois chiche, j'ai mis les grains à ça d'intervalle à peu près. Mais ça, c'est enterré plus profondément. Mais, quoique, regardez. C'est peut-être qu'il est en train de germer, peut-être. Bon, je vais le renterrer un tout petit peu, au cas où. Mais c'est ça, le problème, c'est même s'il n'y a pas eu de grêle, les pluies très fortes, ça risque de retourner un peu tout au niveau des semis. Donc là, il y a eu, jusqu'au bâton là, des radis, après les choux raves. Et voilà, il y a une grosse motte de terre qui a bougé en plein milieu. Donc là, c'est l'endroit où on peut mettre les pieds, hein. Ici. Voilà. Donc en fait, on a prévu comme ça. Pour mettre les pieds de part et d'autre des bandes. Donc en gros, si je veux y accéder, je mets les pieds de part et d'autre. Et j'avance comme ça. Mais après, il n'y a pas possibilité de faire demi-tour. Hein. Faut marcher toujours dans ce sens-là ou de l'autre. Ensuite, ici, c'est mes carottes oxéla. Ensuite, les carottes fines, qui sont fines, là, le troisième paquet que je vous ai montré. Et après, les carottes de conservation. Ça, c'est mes oxéla que j'ai laissées. Celles qui étaient un peu parties sur le côté, je les ai replantées vraiment plus en ligne. Donc, ça n'aime pas trop être replanté des carottes, mais dans ces cas-là, pas trop le choix. Je laisse monter en graines pour les graines. Et là, les poireaux de 40 ans. Et il commence à faire nuit lundi. Il a fallu se dépêcher de faire fèvre le maïs. On n'a pas eu le temps de faire autre chose. Carré potager agrandi ici. La zone d'herbe a été enlevée. Là, ici, plus récemment, c'était jeudi. Il y aura bien sûr tout ça désherbé. Ben là, ça y est. Hein. Là, il pleut depuis quelques temps. Toutes les herbes, ça pousse. Je pense qu'il va falloir que j'intervienne peut-être à l'automne, j'en sais rien, pour tailler. Ou du moins après la fructification, parce que ça commence à être un peu envahissant. Ben, regardez. Il y a le pied de... Ah, ben, je crois que c'est un pied de framboisier qui repousse. Même phénomène, hein, de jaunissement des feuilles. Il n'a rien à faire, là, ce pied de framboisier. Au pire, je récupérerai des pousses et puis je les mettrai ailleurs, parce que j'en veux plus, là. Puis bon, les pommes de terre, ça suit son cours. Là, je crois que ça va faire vraiment un buisson, hein. Il y en a plein, hein, plein de petites collées. Plein de lignes, comme ça, de plein de petites pommes de terre qui ont été collées. Donc je pense que ça va faire un tapis de pommes de terre, comme ici. Et après, c'est pareil, c'est des plants de pommes de terre tout petits, hein. Faut voir ce que ça va donner. Les radis, c'est seulement maintenant, ça fait 3 semaines je crois. Au moins 3 semaines, seulement maintenant que là ça pousse, mais je sais pas. Je crois pas trop. Puis bon, près d'une bordure comme ça, ça fait un peu de l'ombre. Radis, il faut beaucoup de lumière. Sinon ça file un peu, puis ça donne rien de bien. Mais bon, j'espère au moins cette route de radis là. Comme je vous dis, les semis, ils ont peut-être été compromis avec la pluie. Hein. C'est pas du tout. Ouais. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Et on dirait que la France a été coupée en deux. La moitié nord, ici, on a vraiment beaucoup de pluie. Ah oui, puis j'avais un sachet avec des choux-fleurs. Moi, choux-fleurs, j'en veux plus parce qu'à chaque fois, c'est une catastrophe. Mais il n'y avait plus beaucoup de graines. Donc, je les ai mis là. Je les ai répartis dans cette zone-là. Puis, on verra bien s'il y a un truc qui pousse. Mais en tout cas, si je vois un truc qui ressemble à un chou, ça sent un chou-fleur. Bon, tout va bien pour les artichauts. Comment ça faire des bébés artichauts, là? Ça ressemble enfin à quelque chose. Donc je laisse vraiment qu'un con ça pour que ça soit à peu près aéré. Et puis voilà, là ça. 4 pieds de tomates, artichaut, bah celui-là il est toujours beau. Hein. Ça pousse toujours. Bon je rappelle, hein, je sais pas ce que c'est comme tomate. Mais quand je vois de la vie, je laisse une chance. Et donc ça, ce cerisier là, après la fructification, je vais tailler. Hein, parce que là, avec cette branche qui part, ça ressemble à rien du tout. Puis j'en discutais qu'un client. Qui aime bien les plantes et tout, et lui il a dit j'ai cerisé, il a remarqué, il dit c'est bien les seuls, hein, parmi les seuls arbres fruitiers, il dit ça leur fait du bien de détail après la fructification. Donc moi ça m'arrange, c'est ce que je ferai. Mais je crois que j'ai bien fait d'avoir filmé le jardin parce que là ça va être compliqué. Très très compliqué. J'essaie de pas glisser. Ouais. Ouais, donc, pour ma semaine de vacances, troisième semaine de mai, je crois que ça va encore être compliqué. Bon, le point positif, c'est que quand il pleut, le temps est doux, il n'y a pas de gelée nocturne. Et la température la nuit descend pas trop bas. Par contre, forcément, le jour, elle monte pas trop haut non plus. Et ouais. Bon, voilà, point positif, tous mes semis de cucurbitacées, ça germe bien.
Chérie, boite moins. Bon, j'espère qu'il ne va pas me faire mentir ce matin. Par contre, j'étais contente. Susu, 15 poussins, ça se passait bien. Bon, le petit, là, qui est bizarre, je ne suis pas vraiment étonnée, mais... Lui, il va pas s'en sortir, je pense, mais... Je suis déçue qu'elle en rejette un. Franchement, ça me dégoûte. Hier matin, il n'y avait pas de problème. Hein. Puis après, mais c'est compliqué parce que le soir, il fait nuit, donc tout a l'air toujours de bien se passer, mais là... Là, je suis vraiment déçue. Donc, je sais pas. C'est encore l'inconnu. Sur des poussins à gamme vert ou pas, je sais pas du tout comment je vais m'adapter à la situation. Mais si elle rejette ce poussin-là, je vais pas pouvoir le laisser. C'est pas possible. On verra bien. En tout cas, c'est hors de question d'élever un poussin tout seul. Donc, s'il y en a pas à gamme vert ou si j'ai pas de poussin, va falloir que je lui ramène des copains avec lui. Hein. Au pire, j'enlèverai certains petits que Susu a et puis c'est tout. Peut-être ceux de la couveuse, si j'arrive à reconnaître. En tout cas, le deuxième poussin jaune, j'arrive à reconnaître, je pense. Mais j'espère en tout cas qu'il y aura des poussins gamme vert. Ouais, la pluie s'intensifie. Hop là, vous êtes prêts? Ah, j'ai oublié de mettre la mangeoire sèche. Bon. Hop. Il se débrouille mieux quand même. Hein. Bon après, voilà, il fait beaucoup de parades du coup. C'est pas se contrôler. Par contre, le plumage, c'est pas ouf. Faudra que je remette du produit anti-poux parce que, à moins qu'il fasse une mue là maintenant, ça m'étonnerait quand même. Mon Nunuche, tu sors? Je t'ai pas vu sortir. Nunuche. Je te connais, hein. Ah ouais, mangeoire de graines sèches. Je viens de refaire un saut de graines fermentées. J'ai intérêt à me dépêcher parce que les miss vont débarquer sinon. Ah bah quand il pleut, ils ont le bec sale. Je vous dis pas, l'abreuvoir à chaque fois, c'est sale. Petite crotte, hein, Nunuche. Attention. Il faudra que je remette des copeaux ici. Puis que j'en rachète aussi d'ailleurs. Attention. Hop. Ouais, c'est vrai que nous, la pluie, ça y va. Hein. Puis dans le sud, ils ont rien du tout. C'est incroyable quand même. Vraiment la France coupée en deux. Hein. Bah, parti comme ça, ça va nous faire une saison comme 2021. Mildiou, humidité, tout ça. De toute façon, c'est tout ou rien. Il n'y a pas de juste milieu, j'ai l'impression. Après, c'est sûr qu'on est tranquille pour l'arrosage. Hein. Par contre, l'entretien des plates-bandes, mauvaises herbes et tout, on est servi dans ces cas-là. Ouais, donc les tout petits œufs, je sais pas si c'est nimbus. Ou canette, c'est pas du tout parce que Nimbus, ça fait un moment quand même qu'elle pond. Je savais pas que Canette était dominée par une des Sussex. Tiens, Canette, je me demandais si elle pondait bien vraiment au pire de l'hiver parce que Nimbus, elle a toujours bien pondu. Et puis les petits œufs comme ça, c'est pas tout l'hiver que j'en ai ramassé, donc je penche pour Canette ou Nounoute, mais Nounoute, semblait pas qu'elle faisait des œufs aussi petits. De toute façon, on verra si c'est genre Canette. Vous voyez, elle a son plumage intact et tout. Je suis pas sûre que Chérie la coche souvent. Hein. Alors, plus le problème de pâte. Alors, qu'est-ce que c'est? Que cette crotte... Non, non, mais Connie, non, hein, je regarde des crottes, c'est pas la peine. Non, 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 on mange pas ça. Du caca prout. Justement, ils en parlaient sur le forum. Bon, là, j'ai pas vu de verre. Quand il y a des vers dans les crottes, les poules, elles aiment les vers de manière générale, donc même si c'est des vers dans les crottes, elles vont les manger quand même. C'est bien ce que je pensais. Mais là, c'est parce qu'il a mangé beaucoup de carottes. Ils ont eu des carottes hier. D'où les crottes oranges.
On va s'abriter un peu, hein. Je regarde de loin, hein, dans le cabanon de Susu. Je vois pas de poussin en détresse balader tout seul. Je pense que lui, sa technique, le petit rejeté, là, il doit faire le tour du seau, puis il accède aux plumes de Susu, il accède à ses plumes par derrière en cachette, mais c'est pas viable, hein. Parce que là, quand il... C'est aussi parce qu'il pleut, je pense, qu'elle a toujours pas réclamé à aller dehors, mais quand elle va longer la porte comme une folle, c'est qu'elle va réclamer à sortir, quitte à écraser un petit dans ces cas-là, hein. Elle est complètement hystérique, et là, je vais devoir laisser sortir tout le monde. Là, je pense que la pluie, ça l'incite pas non plus, tant mieux. Tant que c'est comme ça et les poussins sont à l'abri, je préfère encore me sentir rassurée comme ça. Mais dès que ça va être la sortie, même si le petit arrive à s'en sortir, à échapper, à esquiver ses attaques, hein, bah, quand il va se retrouver dehors, elle va être en rejet total. Elle va pas accepter qu'il vienne se nicher en dessous et tout, donc bah, c'est pas viable. Je suis un peu déçue. Son attitude, je pensais vraiment que c'était gagné. Même si je savais qu'il y avait un petit, bon là je confirme, hein, qui est pas au top. Puis un des deux poussins jaunes là, il a une crotte au niveau de ses fesses, faudra que je l'enlève après là. Donc voilà, vraiment, prochaines images la semaine prochaine, déjà le taux de fécondité au mirage, on va voir un peu ce que ça donne. Et puis ben, selon si je trouve des poussins ou pas, il pourrait y avoir pas mal de choses à raconter, je sais pas trop ce qui va en être. Mon point positif, c'est que chérie, ça va quand même mieux. Donc là, je dis le matin, c'est un peu à froid. Mais après, il y a des moments, je vois quand même bien galoper. Bon, faudrait qu'il soit raisonnable. Il y a des moments, il fait des parades autour des poules. Pas forcément pour les cocher. Hein. Des moments, je vois, oh, il fait des parades comme ça. C'est pas très bien qu'il se fatigue pour rien, mais... En tout cas, j'espère qu'il avait recoché suffisamment pour qu'il y ait quand même un minimum d'œufs fécondés, là. Puis je sais pas ce qui s'est passé en phase d'éclosion. L'humidité, on était à presque à 70, on était à 69. J'arrive pas à faire monter au-dessus de toute façon, donc je sais pas. Pas du tout. Parce que sous la poule, hein, sous Susu, ça se passait tout de suite mieux. Donc comme quoi, il y a vraiment un truc qui vient de la couveuse. C'est pas des œufs. Ça vient pas des œufs, quoi. Ça va, mon bijou? Donc du coup, on va aller voir les cailles. Bon, il n'y a rien de bien nouveau, parce qu'ils n'ont plus de lumière chauffante. Mais après, s'il y a des poussins, du coup, il va y avoir relumière chauffante, hein, avec les petits. Ouais. D'ailleurs, comme c'est des cailles qui sont pas encore en maturité sexuelle, et donc pas de disputes particulières, pas de problèmes hormonaux, etc., ça se tenterait même de mettre les poussins parmi eux. Les poussins suffisamment aguerris. Mais je sais pas. Hein. Je sais pas. C'est soit ça, soit nursery. Ça va les bijoux. Bon alors, on reconnaît à nouveau Michael. Qui est ici. Tête un peu abaissée. Souvent le matin, il va un peu mieux que le soir. Le soir, la tête, elle est... Le soir, la tête, elle est quand même sacrément abaissée. Mais bon, bon, je vérifie pour pas dire de bêtises. C'est le seul, hein. Donc on reconnaît Michael qui est un mâle, c'est bien tombé, et qui ouais, qui a toujours son souci neurologique, mais le matin ça va, c'est correct, c'est vraiment plus ce soir où ça a vraiment la tête entre les jambes là, mais sinon tout se passe bien. C'est déjà ça, hein. Que les poussins ça gaze pas, et donc eux va falloir que je les tue, je les plume, je les vide bah, pendant ma semaine de vacances, donc ils auront encore à peu près, j'estime, une semaine et demie devant eux à peu près. Ah, c'est embêtant parce que s'il pleut toutes mes vacances, ça va être embêtant à la fois pour le jardin et pour plumer, vider tout ça des cailles, quoi. Mais bon, ouais, bah s'ils sont, à moins qu'il y ait un malheur, hein, s'ils sont tous en vie toujours dans une semaine et demie, bon, il n'y a pas de raison, mais on sait jamais, hein. Faut jamais être trop... Faut jamais être trop orgueilleux. 14, hein, ça va quand même prendre pas mal d'heures, hein, quand on est tout seul. C'est peut-être petit, hein, mais comme je vous dis, hein, niveau du nombre de plumes, sans, en faisant attention de ne pas arracher la peau, ça met quand même du temps. Ouais, donc là, j'espère vraiment trouver des poussins à gamme verte, quoi. Bon, je pourrais pas faire de quarantaine, en espérant aussi. Voilà, c'est ça. Hein. Imaginez, je trouve des poussins gamme vert.
Ils ont une maladie, ils leur filent à tout le monde. Ciao, au revoir. Bon. Mais je pourrais pas faire de quarantaine. Pas possible. Pas possible du tout, mais je sais même pas s'ils en auront encore. Je crois que c'est vers le mois de mai qu'ils arrêtent, mais... On va espérer, hein. Parce que... Ouais, je sais pas, c'est bizarre, hein. Comme par hasard, c'est le petit. Le petit en couveuse qui s'est laissé caresser, qui était proche de moi, c'est celui-là que Susu rejette. Il a dû avoir quelque chose dans son comportement, je sais pas, elle a dû percevoir quelque chose. Ah non, mais... Ah ouais, je le caressais, c'était le seul qui fuyait pas du tout, il bougeait pas. Il continue à boire de l'eau, tout ça, il me regardait. Ouais. Là, je suis déçue. Je me suis dit, j'ai au moins ces poussins-là, j'en ai pas eu beaucoup, mais au moins j'aurais pas m'en soucier. Susu, elle gère, mais bon, il y en a un qui est sur la sellette, et puis il y en a un qui se fait rejeter. Bon. C'est vrai que les animaux, c'est toujours source de contrariété. Hein. Les plantes aussi, de toute façon, le monde du vivant, hein, de manière générale. Mais alors, les animaux, quand même, entre les maladies et les comportements, parce que les plantes, vous avez que le problème maladie et météorologique, les animaux, vous avez tout qui s'additionne. Hein. À la fois les problèmes météorologiques. Les maladies et aussi les attitudes. Mais bon, c'est risqué. Hein. C'est pour ça, les poules soie, les mères vraiment super mère poule. Les mères super mère poule, ça va. Mais Susu, elle a son caractère, vous voyez. Faire adopter des poussins 3 jours après les derniers. Après les derniers nés, sous-entendu. Parce que les derniers, c'était mercredi matin. C'est compliqué. C'était risqué, mais il n'y aurait pas eu ce petit en couveuse là, vous voyez. Que je savais pas trop quoi faire. Bon, déjà celui qui a des problèmes de pattes, c'est vrai, j'avais celui-là aussi. Puis celui que j'ai forcé à naître, j'aurais. Si j'avais fait une adoption une journée plus tôt, ça tombe, ça serait passé. Donc vraiment, c'est à prendre en compte. Faut toujours avoir un plan B. Si ça se passe mal, faut être prêt à pouvoir gérer les poussins qui sont rejetés autrement, quoi. Bon, allez, on va aller se réchauffer. A plus.